Salut, salut à tous. À tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Gaëlle et Eva de Suisse. Merci à vous. Qui voulaient acheter une machine à laver, la dépouiller, nous envoyer quelques pièces. Mais du coup, ça s'est pas fait et ils nous ont fait un petit soutien via PayPal. Merci à eux. Merci. Et dans cette vidéo, quand on est à Mancat, on sort de partout. Vous verrez ouais. Ça. Petite balade dans la ville de Simfuncho. Alors, c'est une ville minuscule au bord du Pacifique avec une très jolie plage et on profite vraiment de l'endroit quoi. On profite aussi pour acheter du poisson, ça c'est vraiment cool le Chili pour ça. Ouais, la côte pacifique, poisson crustacé, trouver du poisson frais quoi. Alors ouais. Là c'est vraiment, on a attendu le pêcheur au port quoi. Ah non, c'était vraiment cool. Ensuite on part direction Tal Tal et on vous laisse avec cette vidéo. A bientôt. A bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Au village là-bas et évidemment pas de GoPro, pas de batterie sur le téléphone, on va peut-être y retourner parce que c'est vraiment mignon. Et là hier Julien il a dégonflé à 2,5 kg et il va essayer de se décaler par ici histoire de voir si on n'est pas planté pour de vrai en fait, parce que quand on a les pneus gonflés à fond évidemment c'est normal qu'on s'enterre vu le poids du camion, 15 tonnes. Mais là, avec les roues dégonflées, normalement, on devrait s'en sortir sans problème. Il y a une meilleure adhérence. On va voir. Parce que hier, on avait du mal à avancer ou à reculer. Ouais, c'est ça, ça change tout de dégonfler les pneus. Donc si un jour vous vous retrouvez enterré, dégonfler un peu vos pneus, ça peut faire la différence. Ah, faut pas être enterré, hein. Et dès qu'on sent que ça commence à patiner, on dégonfle un peu les pneus et on se décale pour pas arriver au stade où il faut creuser quoi. Regardez ça, c'est plus le même camion. On va faire de la purée d'enfant. Nickel, trop facile. Ah, il cherche à se caler, c'est compliqué, hein. On penche toujours d'un côté ou d'un autre et là c'est même pas la peine d'essayer de mettre une cale dans le sable. Et regardez le château XTG au bord du Pacifique, on laisse notre petite marque qui va pas rester longtemps parce que je crois que la marée monte. C'est la fin d'après-midi ici, les enfants s'en sont donnés à cœur joie toute la journée et là ils sont tous morts. Thank you.
les vagues s'approchent dangereusement. Ça va être la fin du château. C'est la fin du château, j'ai raté la vague. Début de la destruction. Oh là, ça y est, le château il se fait envahir par les eaux. On n'arrête pas de voir des poissons sauter. Du coup, Julien a sorti la canne à pêche, on a mis des crevettes que j'ai décongelées dessus. Et qu'est-ce qu'on a attrapé? On a attrapé un crabe. Enfin, Julien a attrapé un crabe. C'était pas trop le but, hein. Va falloir le libérer, le pauvre. Il est planté où? Ah, bah, c'est un petit. On va l'ouvrir et je vais récupérer la chair pour pêcher. Mais non, ça va pas, tu veux pas le tuer. Pourquoi? Mais non, laissez-le. Il est tout petit, c'est un tourteau. Un bébé tourteau. Il va servir comme hameçon là. Comme un le pauvre, il doit avoir trop mal à la patte. Oh. Eh, hey, me passe pas, hein, j'y suis pour rien, j'essaye de te sauver la patte là. Voilà. Attends, une méduse, ça? Bah oui, une méduse. Il y en a plein. Attends, oh, relâche-le pour voir s'il est mort. Ouais, alors les méduses, elles doivent être mortes et elles piquent pas. Mets ça, mets ça. Regarde, regarde. Allez. Oui. Ah, il retourne à l'eau, il retourne à l'eau. Avec une patte cassée, mets ça. Il s'enterre. Laissez-moi tranquille, je suis pas là. Oh. Et voilà, moi je vais faire une bonne chasse. Il s'enterre vachement vite quand même, regarde. Le crabe, oh, il est où? À chaque fois, il se fait déterrer, le pauvre. Attends. Hop, et voilà. Un peu trop, un peu trop. Attends, Alex. Ah oui. Ah, c'est bien quand même, parce que regarde, il déterre à chaque fois. Voilà, il n'y a plus de crabe, il est parti. Faut pas m'en faire dessus, Alex. Allez, notre grand pêcheur, qu'est-ce qu'il va nous ramener? Encore un crabe? Il s'est déjà fait bouffer un de ses trucs. Bon, n'empêche que c'était notre repas qui est là, je sais plus comment ça s'appelle, qu'il utilise pour nourrir les poissons qu'il pêchera peut-être jamais. Mais bon, si ça les amuse, ils sont heureux, on mangera un petit peu moins. Bon voilà, Marie elle a fait les pavas frits à la poêle avec un peu de purée. Regardez les citrons, ils sont gros hein, mais il n'y a pas grand chose à l'intérieur, hein. C'est un citron normal en vrai. Il est bien épais. Grave. En tout cas c'est bon ça, tout le monde aime. J'adore. Ouais. Frites tout passe en fait. Pas trop moi. Ouais, mais on a bien mangé du serpent, on a mangé du scorpion et de l'hippocampe. Donc une fois que c'est frites tu manges tout en vrai. Mais c'est pas mauvais. Regardez un peu cette petite ville. Ça vous fait pas penser un peu à la Grèce? On n'est jamais été en de cette partie-là. Ah mais Marie, avec Internet, tu fais le tour du monde maintenant. Hein. Et ça me fait penser un petit peu à la Grèce, cette partie du rocher là par là, avec les petites habitations là. Enfin, je trouve ça mignon. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut acheter comme poisson et fruits de mer. Et en plus, on a une commande. Le gajo là, avec son Dodge Ram là, il veut des empanadas. Il m'a dit 2 empanadas, 2 euros l'empanadas. J'espère que c'est un sandwich le truc. Hein. Parce que si c'est les mêmes qu'en Argentine, 2 euros, on n'est pas prêt d'en acheter, je vous le dis. À la viande. Non, il y a au crabe, il y a. J'en sais rien, aux fruits de mer. On va aller voir, on va aller faire notre petit tour. En même temps, c'est vite fait le tour là. Hein. En 10 minutes, t'as fait le tour? Même pas. Bon, par contre, vous, on est garé, c'est du temps quoi. Ouais, parce que regardez, on est. En même temps, on voulait être tout seul, on est tout seul. Pas être emmerdé. Allez, on vous reprend à l'intérieur. C'est mignon, il y a la petite musique et tout, c'est sympa. Oui, on peut se baigner dans le Pacifique. Mais faut être courageux quand même. Faut être breton, quoi. Ou normand. En tout cas, c'est super mignon. C'est pas plus froid que la Manche. C'est super mignon. Après le temps il est pas ouf hein, 25 degrés, moi j'ai un peu froid quoi. Hein. Ouais, je fais une petite photo. Et ils ont trouvé. Impeccable. Ça de moi à acheter. Allez, l'accès à la petite ville de Sifunchon. Alors je pense que la majorité viennent là pour les vacances. Il doit y avoir quelques-uns quand même qui vivent à l'année, mais. Enfin, c'est tout petit, là il y a un petit resto. On n'a pas été voir les prix mais. Là, il y a un petit vendeur de bazar, et là-bas, empanadas.
Maintenant, où est-ce qu'on peut acheter du poisson frais et des crustacés, je sais pas. Là, il y a de l'artisanat. Ah, c'est en laine. Ouais, c'est bien fait. Ouais. C'est pas le truc que j'achèterais, mais... Non, mais c'est bien fait. Mais c'est bien fait, ouais, ouais. Je me disais que ça sentait le poisson pourri. Grave. Il est là, en fait. Ah ouais, ça sent le crocodile qu'on a ramené des États-Unis, t'as raison. Oui, parce que la XTG a quand même ramené une tête de crocodile des États-Unis dans sa valise. Il n'y a que nous pour faire ça. D'ailleurs, elle est chez mon père. Enfin, qu'on a directement arraché sur le crocodile écrasé sur la route. Grave, je lui ai arraché la mâchoire. Il était mort en même temps. Hein. Je lui ai arraché la mâchoire, je l'ai gardé dans le camping-car. Après, on l'a mis dans une soute parce que ça puait la merde. Et je l'ai ramené dans ma valise et on l'a ramené à la maison. Et il a fini maintenant chez mon père dans les Yvelines. Mais ouais. Ah, c'est là qu'on doit acheter les empanadas à José. Allez, 2005 de fromage. Putain, le fromage est plus cher que le fruit de mer. Bon, apparemment, le bateau, il arrive dans une demi-heure, une heure, il sait pas trop. On fait quoi? On attend là? Du congre. Avec du congre. Et, mais je dis, c'est où? Parce que... Où c'est que je chope le gars, quoi? Il m'a dit là-bas. Et je dis, c'est interdit de passer. Il m'a dit, t'es au Chili. Donc un peu le même système qu'en Argentine. Il m'a dit, c'est marqué, mais t'y vas quand même. Ah, ok, d'accord. Bon, on va aller voir là, s'il y a quelqu'un. Mon petit resto, petit snack. Il y a des empanadas, voilà. Frita, marisco, camarón. Ah bah c'est ça du coup qui veut marisco. Moi je prendrais bien crabe. Mais putain c'est cher. 2 euros l'empanadas, grand comme ça. Hein. Enfin, en général, tu manges combien? 5 empanadas en général par personne. 5-6 quoi. Donc ouais, ça commence à faire cher. Hein. Il y a un bateau qui arrive avec un mec équipé de combinaison. Ah c'est con, hier on avait plus de batterie. Il y avait un mec qui plongeait avec le compresseur là, avec un scaphandre, ou un scaphandre ou juste un masque en fait. Hein. Donc pour aller chercher les fruits de mer. Tiens, là il y a San Pedro, le saint des pêcheurs. Et là il y a un bateau bleu qui arrive, donc on va aller voir. En tout cas le décor est sympa, hein, regarde. Bateau, Pacifique, dune. Enfin c'est beau quoi. Montagne, ouais. Le truc c'est que c'est tout dune montagne. Ouais, c'est tout dune montagne, mais c'est joli quand même. Regardez, en fait, ils viennent récupérer les oursins. Et là, il y a une grosse étoile de mer, je sais pas si... Non, on voit rien. Il y en a une là et une autre là. Ouais. Et en fait, le mec qui avait le scaphandre, je pense qu'il venait chercher avec son tuyau d'air des oursins. Regardez, c'est beau quand même. Hein. Regardez, on voit le compresseur, le tuyau jaune. Et là, regardez les poissons. Bah, ça y est, le pêcheur est arrivé. On est les premiers. Puedes comprar? Et c'est le douanio. Regardez un peu. Quanto kilo? Est grande, hein? Ils sont beaux, là. Hein. Il n'y a pas d'annexe ici. Hein. Il saute du bateau et revient à la nage. C'est pour ça qu'il garde sa combinaison. Il galère à revenir. Ouais, grave. Le courant. Est-ce que c'est une combinaison étanche qu'il a? Ouais. Il est plein de talc. Allez, regardez. Ça, c'est les piourés, ils appellent ça. Ils disent que c'est comme des sortes de pierres, mais pas vraiment. Ils les ouvrent et dedans, ils récupèrent le fruit de mer qui apparemment, il n'y aurait qu'au Chili. Ils mettent des cordes là, dans le port tendu, et ça pousse là-dessus. Après, ils les récupèrent et ils les mangent ici en ceviche. Ils les préparent avec du citron, des oignons, des trucs comme ça. Et là, bah, le gars, il est à peine arrivé. On n'a même pas eu le temps de lui parler. C'est qu'il a déjà vendu tous les poissons à un resto. Et là, il nous a dit, allez, vas-y, je t'en vends 3 là. 10 euros les 3. Oh ouais, c'est cool. Du coup, il avait plus de poisson, il a tout vendu. Et quand on lui a dit au revoir, je pense qu'il a vu qu'on était un peu triste, dégoûté, déçu. Quoi. Il m'a rappelé, il m'a dit, tiens, vas-y, je te vends cela. Trop sympa. Muchas gracias. Hein. Gracias. Ciao. Ciao. Et attends, les autres touristes, ils sont repartis, mais il y en a d'autres qui en voulaient aussi, ils n'ont rien eu. Je leur revends 20 000. Bon, allez. Excellent, trop content. On a payé. On va aller se manger un peu de congre et puis faut qu'on récupère deux. Ah ouais, je voulais faire un petit tour dans la ville, je me balade avec mes poissons de toute façon. Ouais, c'est bon, ils sont à peine sortis de l'eau, il y en avait, ils étaient ouverts mais pas vidés, ils sautaient dans tous les sens, c'est tombé. Vous savez où je me crois là, en marchant, le décor là, les poissons, je me crois dans le film du Grand Bleu. C'est quoi le Grand Bleu avec les dauphins, avec Jean Reno et. Comment il s'appelle le nom d'acteur du jeune là? Je sais même pas. Enzo? Non, Enzo c'est Enzo, Jean Reno. Enzo c'est Jean Reno. Je me crois l'autre du coup.
après pas mal d'assado. Voilà, ici tu rentres direct dans le resto avec tes poisson à la main, normal. Il va aller commander des empanadas pour le voisin. Je vais les revendre. Quand t'attends tes empanadas, t'accroches les poissons à la porte du restaurant. Bon, on a acheté les empanadas pour le chilien là. 2,50€ l'empanadas. Fais voir la taille, c'est pas agrafé. Ouvre, voir. Il est assez grand. Ouais, ça va ? Plus grand qu'en Argentine ? Ouais. Ah ouais, ils sont un peu plus grands. Enfin, 2,50€ ça. 5€ là dans le sac. Ah, c'est des malades. Bon, bah, ce qui est cool, elle nous a rendu l'argent des empanadas qu'on avait payé. Plus, Marie, elle a pris du pain. Et on a pu payer en carte bleue. Comme ça, on a gardé le liquide parce que bah, dès qu'ils peuvent prendre la carte, bah, du coup, on donne la carte. C'est pas bien, mais on n'a pas le choix, quoi. Hein. Donc, on a récupéré notre argent liquide. On monte là-haut, on a dit, du coup ? Allez, on est monté tout là-haut. Je sais pas si vous voyez le camion. Par là, là. Je sais pas trop où. Très loin. Sympa, les petites baraques, là. Allez. Oh, tornade. Vous l'avez en direct. Panneau solaire pour l'éclairage. Vous pouvez regarder autour. Hein. À part des dunes et de la montagne, du sable, il y a que ça. Hein. C'est la rue parallèle à celle du bas. La rue qui n'est pas touristique, quoi. Ça se voit. Il y avait une baraque ici. Une baraque, c'est toujours pareil. Hein. C'est des petites cabanias, cabanes. Mais les gens, ils vivent là à l'année. Hein. Je sais pas, on n'a pas demandé s'il y en a qui vivent vraiment là à l'année. C'est un espèce d'étalage pour le poisson, je pense. Ah, un copain à nous, Marie. Regarde. Regardez avec son tuyau et sa bouteille de gasoil. Tout est fait de tout et de rien, et voilà quoi, délire. Ouais, petit cactus. Le tank d'eau, alors je sais pas d'où elle vient l'eau ici. Encore les panneaux solaires, l'eau, on voit. Elle vient par camion. Ah oui, quelqu'un t'a dit, du et coup. Il y a un tank, un réservoir quelque part plus à l'entrée de la ville, là-bas. Et le camion, il remplit ce réservoir 2 fois par semaine, je crois. Ah oui, et apparemment, il pouvait nous remplir aussi. Ouais, mais après... On l'a pas vu, nous, mais... C'est comme tout, hein. Ouais, comme tout, au Chili. Comme tout au Chili. On a été mal habitués en Argentine. Où l'eau coule à flot. Bon, en tout cas, on sera alerté. Système de alerte tsunami. Warning system. Donc, panneau solaire, alarme, gyrophare, au cas où. Faut qu'on parte de là, rapidos. Il y a des voitures ici, Nissan Primera et celle-là, Nissan aussi. C'est tuning. Tuning chilien. En tout cas, ils ont tous des élargisseurs. Lui, il a pas. Ah, si, un petit peu. Ils ont tous des élargisseurs ou des jantes à des ports. C'est rigolo. L'électricité complètement. Ouais. Ça consomme du super, ça. Ah, là, il y a une petite cabane de pêcheurs aussi, il y a avoir des filets, de la corde. Empanada, toujours. Là, ils aiment trop les trucs frits et machins comme ça. Petite voiture, tuning dégueulasse. Bon, Marie, elle vient de demander, apparemment, il y aurait 80 personnes qui vivent là à l'année. C'est assez constant, le climat, l'hiver, il fait 16-18 degrés. Donc, c'est assez constant. Petite ville sympa, hein. Enfin, y a rien, y a rien. Mais au moins, tu dépenses pas d'argent. Celui qui pêche un peu, est tranquille, tu te poses là-bas en camping sauvage sur la plage, au milieu des dunes, et t'es peinard, en fait. Personne t'emmerde. Ça, c'est bien, ça. Après, si tu veux des choses un petit peu particulières, faut faire un paquet de kilomètres, quoi. Bon, allez, on va continuer le petit tour. Là, c'est le restaurant que je vous ai dit tout à l'heure. Aucune idée des prix, on n'a pas regardé. Enfin, il n'y a rien d'affiché dehors, donc difficile à savoir. Allez, on retourne sur la plage. Voilà. Même ici, il y a des petits jeux. Donc, alors Marie, il n'y a pas eu de noyade depuis des années. Il n'y a jamais eu de noyade, apparemment, sur cette plage. Pas eu de tsunami. Et le tsunami qu'il y a eu, alors c'était plus au sud, apparemment. Ici, c'est monté à peu près jusqu'au jeu. Et la rue, là, qui est... De ce côté-là, ça a tout juste atteint la rue, mais en fait, ça n'a pas fait genre une grosse vague, c'est juste monté tout doucement l'eau. Un peu ce qu'on a eu cette nuit, hein, puisque finalement, les vagues, elles sont montées. Comme une marée. Ouais, voilà, une grosse marée, quoi. Oh, le sable, il est brûlant. Ouais, grave, même avec mes tongs, ça me crame les orteils. Allez, Chico, on y va. Alors, on a Alex qui trouve des citrons.
Et on a Manon. Qui trouve des pelles. Des pelles. C'est déjà la deuxième pelle qu'elle trouve, elle. Ah, trois pelles déjà. Qu'est-ce qu'on va foutre de tout ça? Mais n'empêche, les bagues sont hyper. Moi, j'ai trouvé le citron et un collier et ça. Enfin, et qu'est-ce que tu vas faire avec le citron? Balance-moi ça dans, la, dans le Pacifique, allez. Allez, bah. Et il fonctionne. Ah, on a trouvé un briquet, il fonctionne. Oui, on a acheté le citron dans l'eau. Il n'y a rien de grave. Il vient de là déjà. Il pouvait plus respirer, le pauvre, sur le sable. Fallait le remettre dans l'eau. Regardez. Le mirage devant le camion. Le sable, il est brûlant. On ne peut pas mettre les pieds dessus. C'est un truc de fou. On voit bien là devant le camion. Hein, à moins que ce soit le camion qui prenne feu. Mais je pense pas. On va préparer les congres. Ils ont des sacrées dents. Hein. Ils veulent pas lâcher le sac. Non. Alors. Ah, par contre, je vais m'accrocher où? Là, Alicia, passe-moi. Passe ça dans, le, dans la corde. Ça? Ouais. Et tu le raccroches dans le trou là. Voilà. Et là, on fait. Vas-y, et verrouille. Voilà. Ok. Alors, quand c'est comme ça, je prends mon couteau de chine. On lui vire l'arête qui est là. Je sais pas si vous voyez bien, mais. Oh, il est beau. Ouais. C'est pas ça le requin qu'on a mangé? Non. Je comprends pas pourquoi il avait mis un gant, le mec. Faut faire comme l'anguille, mais le problème, c'est que c'est gras. Regarde, c'est pour poser le couteau. Oh. J'arrive même pas à la planter avec la... la fourchette. Je suis pas poissonnier, moi. Hein. Vas-y, mets les trucs dedans, Alex. Oh, ça, c'est parfait, à la grande ligne. Oh. Oh, là, ça va être bien, la ligne. Ok, bon, je crois qu'on vous reprend après. Hein. On va bientôt avoir plus de chair pour la pêche que pour manger. Je suis toujours à mon premier. Hein. Ah, bah non, quand tu vas commencer à faire l'autre poisson, ok, ça tu peux le ramener à maman. Quand je prends l'autre poisson, papa, ça pourra tomber. Le seau est juste en dessous, ok. On peut le couper là-haut direct. Il m'a un peu plein de ça. C'est pas grave. Non, tiens-le comme ça. Il va tomber sinon. Oh. Bon allez, on vous reprend après. Alors oui, je perds quand même de la matière, mais j'arrive pas à faire autrement. Je tords la fourchette et tout. J'arrive pas à traverser le cuir. Oh. Ça, ça sera le meilleur. Comme une belle anguille. Oh. Côté, il est le pire. Tu vas mettre les têtes, s'il te plaît, mets les têtes. Tiens. Demande à maman s'il avait les têtes quand même. Au cas où. Tu veux les têtes de Pascal? Non. Ok. Oh, on va bien pêcher avec les têtes. Allez, je nettoie tout ça, les mains, et on va à la pêche. Aussitôt pêché, aussitôt dépouillé, aussitôt cuisiné. Aussitôt mangé. Il est comment, Marie? Mon assiette tendre. Tendre? Va-t'en là. Ah. Mais j'ai une arête qui a été cassée. Ah, désolé. Là, je pense, non, c'est comme moi, j'ai coupé des tronçons. Ah, ok. Bon, allez, je vais goûter. Bon appétit. Bon appétit. Allez, ce matin, on décolle. Peut-être qu'on avance quand même. On va aller à Taltal. Ça y est, on quitte la plage. Il faut qu'on s'arrête encore regonflé en haut. Parce que sinon, on n'aurait pas réussi à décoller du sable si on n'avait pas dégonflé. C'était super sympa, un coin hyper tranquille. En fait, on était bien là, on aurait pu rester plus longtemps. Mais il faut quand même avancer à un moment. Donc, on avance un peu plus au nord à Taltal. Pourquoi Taltal, je sais pas. Mais, c'est la route. C'est la... Non, c'est pas la route. Hein. Ah bon? Non, on n'est pas obligé d'aller à Taltal. Bon, bah, faut qu'on regarde. Mais après, je crois que c'est fini les ports de pêche. Ouais. Donc, il nous reste encore du poisson pour ce midi, des crevettes. C'est comme on veut. En tout cas, les pneus impeccables dans le sable. Hein. Ouais, une fois dégonflés, ça va bien dans le sable. Allez, on a fait 300 mètres. Et maintenant, on regonfle.
ça c'est le bordel vraiment. Vraiment. Parce que là c'est... Ah bah je vais vous dire, tiens. J'avais dégonflé à 2,3 et 2,5. On remonte à 6,5. Allez, il est midi. Ça y est, midi 40, on part. 40 minutes pour gonfler les 4 pneus. Je m'étais mis à peu près à 600 tours pour que ça gonfle un peu plus vite, mais c'est long quand même. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.